Je constate sur France Culture ce matin que j'ai suivi entre 9h et midi qu'on parle absolument pas de cyclicité, alors que le sujet, par exemple, c'est le pouvoir, c'est le leadership, notamment, la grâce, le charisme. C'est un point aveugle. On ne essaie pas de dire qu'il y a des périodes qui font qu'on va dans un sens ou dans un autre. Non, ça n'existe pas. C'est un sujet, c'est une no man's land, un sujet qui n'existe pas. À aucun moment il y a référence à une cyclicité quelconque, une cyclicité objective quelconque. Ce sont des cyclicités qui sont déterminées par les sociétés, les constitutions, les hasards de l'histoire, etc. Et je trouve ça épistémologiquement extrêmement regrettable. Alors, je suis d'accord pour dire qu'actuellement, l'image de l'astrologie est assez détestable et que l'image qu'on se fait de l'astrologie est assez ringarde et figée. Mais le moment est venu, en cette phase équinoxiale, de montrer que l'astrologie a une autre dimension et que cette autre dimension doit intéresser la théologie, la science politique, notamment, beaucoup plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent.